de fortement presser cette équipe Castelroussine. Pour l'instant ça marche parce qu'ils viennent de récupérer un deuxième ballon avec Ezikion, mais ce ballon est perdu et on va voir le système en contre-attaque pour les Castelroussins avec la puissance, la vitesse de Nathanael Ntola. Et Nathanael Ntola, et bien voilà les Burgiens qui se font punir en contre-attaque dès la 4ème minute. Première incursion pour Châteauroux et l'ouverture de la marque pour Nathanael Ntola. L'homme du début de partie, Nathanael Ntola, avec sa vitesse. Attention. Et une nouvelle situation. La surface de Nathan Mexique entre les jambes, mais ce sera un but. Le but du 2-0 avec Jonathan Mexique. Ouais, en 14 minutes, les joueurs de Châteauroux qui punissent deux fois l'équipe burgienne. C'est donc bien ici qu'on a le plus de buts ce soir. Allez, peut-être là pour la situation pour les Burgiens avec Ribelin, le ballon vers Rivas, Rivasso et l'arrêt là par contre, la parade du côté d'Avranches et donc au puits. Ensuite c'était plus difficile, oh, il est couvert Ribelin dans la surface, il ouvre son pied, oh, le poteau pour Anthony Ribelin, oh, avec peut-être l'occasion qui aurait permis de relancer Bourque attention, dans cette partie attention. Et l'inverse, il y a un contre-attaque où il va y avoir faute, il va y avoir carton rouge, oui, pour cette lutte entre Nathan de Coquet et Sounou, me semble-t-il. Qu'est-ce qui s'est projeté? Non, c'est pas Youssouf. C'est Youssouf, pardon, qui était parti sur le côté. Il y a Elion Endur qui pèse et là, la course, la vitesse de Benjamin Youssouf. De Youssouf. Oui, on a vu qu'il avait mis un très beau coup franc le week-end dernier. Face au puits, on l'a vu claquer en toute fin de partie. Et ce sera directement dans le but. La deuxième, elle est belle par contre. Rivas. Rivas qui est passé par le sol. Attention, et nouvelle situation. Il y a un 4 contre 3 à jouer pour Châteauroux. Le ballon dans la surface croisé par Youssouf Kermé derrière, c'est bien fait. Oh, et l'arrêt là cette fois-ci de Lostis sur cette frappe d'Alioun Endur. Sedan qui mène toujours à Avranches. Et c'est la mi-temps ici au stade Marcel Vercher. Allez, le ballon qui va être lancé dans la profondeur est parti dans le dos de la défense du côté de Châteauroux. Oh, et la main ferme du gardien. Pour la première fois de la saison, un deuxième succès consécutif avec cette victoire 2-0 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse qui vient confirmer